Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, deux petites attaques et on ouvrira le coffre à couronne par la suite, histoire de conclure sur quelque chose de plutôt pas mal. Voilà donc du coup, on va commencer ce pack opening avec des coffres gratuits, non des coffres d'argent, Ah là je me trompe à chaque fois, non mais ouais on va faire le coffre d'argent, voilà, hein, parce qu'à chaque fois on commence avec le coffre gratuit. Et bah moi j'ai envie de faire avec les coffres d'argent, voilà. Au moins tu vois, il y a plus de suspense, tu vois. Parce qu'au début c'est nul, puis après ça devient un peu mieux, et encore mieux. Et après on fait des attaques, hop, ça met suspense total. Et là, boum, coffre à couronne, le truc de ouf et tout. Ah ouais, non mais bon, truc de fou. Donc ouais, on a eu 50 d'or, une tour de l'enfer, ça m'intéresse pas. Et 7 barbares, on va dire que c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, deuxième coffre d'argent. C'est parti, on est chaud. Alors, 40 d'or, c'est déjà beaucoup moins. C'est déjà beaucoup moins, mais c'est pas très grave. Cette électrocution, j'ai envie de te dire, ça va, ça va. Une boule de feu, allez, pourquoi pas, on est chaud. boule de feu, chaud. Alors, 38 d'or, ouais, c'est encore moins qu'avant, c'est bon. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a arène 3 aussi, hein, forcément. Celui-là est arène 3 parce que, bah... arène 4, je veux dire, arène 4. Il faut peut-être pas exagérer non plus. Non, arène 5. Ah, mais tu vois, non, mais oh, je suis un fou, moi. Il est arène 5. Oh là là, midi, mais je me crois tellement nul que... enfin bon, deux squelettes, ça faisait très longtemps que j'en ai pas eu. Et 5 gobelins lance. Et bah voilà, tu vois. Et mais à croire qu'il a arène 5, ça t'offre des trucs mieux que... Parce que ta arène 6, ça te met des vieilles tours de l'enfer, des machines. Arène 5... Des cochons, des gobelins à lance, des squelettes. Waouh quoi, mais je vais redescendre à arène 5 si ça continue. Bon, et bah du coup on va ouvrir le coffre gratuit, c'est parti. Ouais, donc le coffre d'or est malheureusement à arène 5 aussi. Bon, c'est pas très grave. Donc on va ouvrir le coffre gratuit, ça donne quoi? 59 d'or, ça fait plaisir. Une fournaise, ça fait plaisir. Et 7 mortiers, ça fait plaisir. Non mais c'est cool, c'est cool, franchement c'est cool. Y aurait pas... Un petit peu mieux. Non mais enfin genre du cochon, tu vois. Non, tu connais pas le cochon toi, arène 6, hein. Donc 57 d'or, ouais. 2 gemmes. On va dire que ça va. On va dire que ça va. J'aurais bien voulu 3 gemmes. Mais c'est pas très grave. Un mortier. Bon, j'avoue que jusqu'ici, j'ai pas forcément ce que je veux, hein. Moi, je suis plus vers le cochon et les gobelins, tu vois. Trucs comme ça. Ou les archers, par exemple. Les archers, c'est pas mal. Ouais, esprit de feu. Intéressant. Non, c'est pas mal ce qu'il me donne, hein, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Là, je suis plus tourné vers le, par exemple, vers le fût à gobelins, les gargouilles, les hordes de gargouilles, tout ça. Les flèches aussi, pourquoi pas, hein. Et les cochons, surtout, les cochons. C'est ce qui me manque pour avoir un deck parfaitement équilibré. Donc, du coup, on va ouvrir le coffre d'or. On va ouvrir le coffre d'or. Après, je vais vous montrer un petit truc. Vous allez voir, on va faire les fous. 115 d'or, oui. Oh, 115, c'est pas mal ça. Comme l'élément 115 dans le zombie de Call of. Voilà, donc du coup, deux gobelins à lance, oui. Une cabane de gobelins, ouais, je préfère les gobelins à lance, mais c'est pas très grave. Un mini PK, mais je vais bientôt pouvoir s'améliorer si ça continue. Et 19 barbares, ok. Ouais, bah définitivement, on n'aura jamais de cochon à arène 6, hein. Il faut... Ah, mais non, c'était arène, arène 5. Ah, c'est dommage qu'on ait pas eu de cochon. C'était arène 5, mais on n'a pas eu de cochon, c'est un peu chiant. Du coup, attendez, regardez bien. Regardez bien, préparez-vous mentalement et zieutement. Ah, ça se dit pas, mais on s'en fout. Préparez-vous zieutement, vous allez voir. Attention. Boum, pa boum, boum, pa boum. Eh ben ouais, ben je vous avais prévenu, hein. Fallait se préparer, les gars, ben. Vous êtes choqués, mais il fallait se préparer. Ah ben attends, et eh ben voilà, on a une nouvelle carte. On va tenter de l'utiliser, si je vois que c'est... Ah, mais c'est 8. Ah, je pensais que c'était 7 élixirs, moi, non, c'est 8, carrément. Mais c'est énorme, c'est énorme. Bon, c'est pas très grave, on va quand même essayer. Donc ce qu'on va faire... Ah putain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la mettre à la place, tu sais, du molosse de lave. On sait jamais, peut-être que, hein. Donc du coup on va tenter, fais voir un peu les infos là. Ah ouais, ça va quand même, dégâts par seconde, ouais. Ouais, à chaque fois qu'il tape, ouais, il fait 100 et quelques quand même, c'est pas mal. Ouais, dégâts mortels, c'est sur la tour. Ok, ça va, il a pas mal de vie. On va voir combien il a par rapport à mon petit molosse là. Il est où mon molosse? Oh molosse, t'es là, ok nickel. Donc du coup tu vaux combien? Ah, t'as moins de points de vie que lui? Ouais, mais toi, t'as aérien aussi, t'as aérien, donc forcément... ouais. Bon, enfin bon, ça peut être pas mal, n'empêche, hein. Ça peut être pas mal. On sait jamais, des fois.
On peut tester, on peut tester, on va tester ça. Alors si j'ai du mal à parler, c'est parce que j'ai un petit peu le nez bouché. Un tout petit peu, juste un tout petit peu. C'est pas très grave. Voilà, donc du coup, on a un petit golem. On va tenter ça. Je pense qu'avec ce deck, il peut être pas mal aussi, on sait jamais. Mais je sais pas, on verra bien. Donc du coup, on va tenter ça ensemble. On va se faire deux petites attaques. Ou une seule si vraiment c'est trop la merde. Ou même zéro si vraiment, vraiment c'est trop la merde. Parce que je te rappelle quand même que je dois gagner des coffres. Hein. Et je préfère les gagner à Rennes 6 qu'à Rennes 5. Mais bon, on verra bien. Et donc du coup, moi je vous dis à tout de suite pour attaquer. C'est parti. Et c'est parti les gars, on est contre un niveau 7 qui s'appelle G.DN, bah pourquoi pas. Donc bonne chance. Donc là on a le golem dès le début qui coûte quand même 8 élixirs, c'est énorme, c'est un truc de fou. Oui donc du coup j'ai pris mes coffres arène 6 avec mon deck principal, hein, avec l'autre là. J'ai fait des combats histoire de prendre les coffres, les 4 coffres, parce que sinon laisse tomber quoi. Sinon laisse tomber, impossible. Franchement il est très dur à manier. Enfin le problème c'est que il faut vraiment avoir beaucoup d'élixir, tu vois. Donc généralement il va falloir que t'attendes d'être vraiment comment te dire, faudra que t'attendes d'être, tu sais, dans la mid speed là, parce que sinon ça va pas forcément bien fonctionner. Donc c'est vraiment très dur quoi. C'est très dur d'utiliser suivant ce que les personnes ont aussi. Ça peut être super dur des fois. Oh, on lui prend la tour. Allez bim, on se met à égalité tranquillou. Donc vous voyez là, franchement c'est pas fameux, c'est assez compliqué à utiliser hein. Ce deck, c'est Smolov, le golem il coûte un peu trop cher je trouve. C'est pas qu'il coûte trop cher, tant mieux, parce que sinon il serait trop facile à utiliser hein. Ne serait-ce que déjà à 7 élixirs, il serait déjà beaucoup plus simple à utiliser. Mais le truc, c'est que, oula j'ai rien du tout pour défendre, c'est ça le truc en fait. C'est ça le truc. je suis un peu dans la merde, hein. Comment vous dire que je suis dans la merde? C'est bon? Ok, nickel. Oui, voilà. Donc, du coup, on va envoyer du molosse. Enfin, du machin, là. Alors, le truc, c'est que je sais pas... Non, il faut que je prenne le 3 étoiles, sinon je vais jamais y arriver. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'est pas dans une minute spéciale. C'est ça qui m'embête. Bon, c'est pas grave. On le met tout en bas. Et comme ça, on aura le temps de défendre, de faire des trucs. Et après, il sera en haut dès qu'on pourra attaquer. Et en plus, on sera dans la mid spéciale. Alors, juste comme ça, vite. S'il te plaît, tu pouvais speed un peu. Parce que là, elle va faire du dégât, là. Ok, c'est bon. Il y a l'autre tour qui défend les squelettes. C'est nickel. Ok, nickel. Là, on a bien défendu, là. Là, ça fait plaisir. Là, on est arrivé en plus dans la mid spéciale. C'est parti, on lui envoie du chevaucheur cochon. Enfin, du Valky cochon. Ok, on lui envoie du... Hop, horde de gargouille. On va essayer de lui envoyer des flèches. Histoire de... d'aider un peu les hordes de gargouilles. Ok, nickel ou pas au niveau des flèches? Nickel au niveau des flèches. Ok, jusque là tout va bien au niveau de la sorcière. Allez, il a mal placé. Quoi? Au dernier moment? Au dernier... Bon, je m'en fous alors là. Mais alors là, je m'en fous complet. Direct. Direct, j'envoie ça. J'envoie ça aussi, voilà. On se fait plaisir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. On va envoyer ça tranquillou. Hop là. Allez, faites que... Hein. Ok, c'est bon ou pas? Ça défend? Ok, ça va. Ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer du cochon. Non. Allez, meurs. Ah là. Non. Mais non. C'est pas bon, ça. Bien joué, mon gars, bien joué. Oh, tu parles bien joué. T'as vu ce que j'ai aussi, c'est normal que t'as bien joué. En plus, il a bien les barbares et tout, histoire de bien me contrer. Hein? Rien de mieux pour contrer le machin, le molosse, là. Le gros machin, là. C'est les barbares. Donc j'ai envie de te dire, il y a un moment, bon c'est normal quoi. Ouais non mais bon, là, franchement entre nous il y a quoi de mieux? À la limite il y a le PK. À la limite le PK, gros PK ou même le petit PK aussi c'est pareil hein, parce qu'ils ont la même puissance. Et ben à la limite, bon ça défonce. Mais malgré tout, tu prends un gros tas de barbares, forcément ça fait mal hein. Mais bon c'est pas très grave. Ce qu'on va faire. Oh j'ai une idée. Si je mets la boule de feu à la place. Ouais, ça coûterait trop cher. Déjà que ça coûte cher, c'est pas permis, là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire tout de suite pour une deuxième attaque. Ah bah, j'ai envie de vous dire, on laisse ça là, hein. Parce que bon, sinon, c'est impossible, hein. Ah, je vous dis, c'est impossible de gagner. Oh, c'est un truc de fou. Enfin bon. c'est pas que c'est impossible de gagner, c'est que j'utilise mal. Et puis, je tombe pas forcément sur la bonne personne. Donc, du coup, moi, je vous dis tout de suite pour attaquer. C'est parti. Allez, c'est parti les gars, on est contre un niveau 8 qui, en espérant, n'est pas des troupes trop faciles pour nous contrer. C'est-à-dire des troupes comme les groupes de barbares. À la limite, une horde de gargouilles. J'envoie des flèches, c'est bon. Mais horde de barbares, c'est plus compliqué à contrer. Non, bah, retour, mon gars. Oh, j'ai envie de te dire, hein.
Salut, hein. Comment ça va? Non, mais je t'ai bien aimé, mais bon, il y a un moment, faut faire ce qu'il faut, quoi. Voilà, mais non, mais ça sert à rien ce que tu fais, gros. Non, mais le mec, il attaque comme ça, il sait même pas ce que j'ai, il attaque, y a pas de soucis. Ah, il y a des fois, ça peut, ça paye, hein, des fois, hein, mais il y a des fois, ça paye pas vraiment. Bon, bah, Valky Cochon qui fait toujours aussi mal. Valky Cochon qui fait vraiment toujours aussi mal. Oh là 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 là. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Non, ça fait plaisir. Donc, on va envoyer notre. Ok, le temps qu'il arrive, normalement, c'est bon. Ok, ça. Non, je suis trop bon. Je suis trop bon. Non, non. Moi, j'ai le time dans la tête, moi. Ok, nickel. Et en plus, ça se fait tuer, c'est nickel. Non, mais j'ai tout bien. Mais y'a pas de soucis, gros. Mais alors là, mais j'ai tellement utilisé que maintenant je sais comment le contrer par cœur, mon petit. Regarde, hop là. Et après, j'envoie des flèches. Bah, c'est pas compliqué. Bon, les flèches, en fait, j'ai plus utilisé en haut. Mais bon, c'est pas très haut. Bon, t'as de la chance que j'ai utilisé les flèches en haut. Hein. T'as de la chance. C'est bon, nickel. Ok. Alors, le mec, il aurait dû envoyer les hordes de gargouilles en bas. Pour justement faire en sorte que il soit pas tout seul, tu vois. Que le monstre d'œuf soit pas tout seul, il aurait dû envoyer des hordes de gargouilles, ou ne serait-ce que déjà les petites gargouilles déjà. Hein. Mais il aurait dû envoyer ça, histoire de pouvoir, comment te dire. Non, on va pas envoyer ça, parce que ça serait un peu trop. Un peu trop facile pour prendre la tour, quoi. T'envoies ton cochon, c'est fini, quoi. C'est... À part si le mec il arrive à mettre un groupe de barbares ou un truc comme ça, c'est fini, quoi. Et bah voilà, nickel! Sans prendre le cochon, on y arrive tout seul. Bah voilà, pas besoin de cochon, pas besoin de boule de feu ou je sais pas quoi que t'envoies sur la tour. Ça sert à rien, bah non. Hein? Jouons pour de vrai. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le 3 étoiles. Alors juste deux secondes, j'étais en train de dire pour le molosse de lave. Si tu mets pas quelque chose derrière le molosse de lave pour pouvoir justement. Bah voilà, comme ça. Bon là j'ai les flèches, donc forcément c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais ça reste quand même. Ah, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Non, franchement, voilà, c'est le truc. C'est justement, il faut faire gaffe avec ça. Hop là, nickel, ok. Donc là, tu vois, il a bien joué là. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on fait, mon petit. Bon, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lui mettre un deuxième golem, histoire de lui montrer un petit peu que c'est le patron. Ça fait peur là d'un coup, hein. Oh, tu flippes, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les fûts à gobelins. Ah, j'ai peut-être envoyé trop tôt. Non, c'est bon, nickel. On se fait plaisir, franchement, on se fait plaisir. Bon, bah voilà, c'est nickel. Ça fait plaisir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. Ok, nickel, tu me la tues ou pas? Non, tu me la tues pas? Bon, j'ai envie de dire que ça va quand même. C'est déjà pas mal. Ok, c'est bon ou pas là-haut? Ça va, on va dire que ça va, c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Bon, on va faire ça. Et puis je crois que c'est tout. Ok, ça va? Nickel, franchement, ça fait plaisir. Hop, on va faire ça. Attendez. On va quand même mettre de l'archer. On va quand même mettre de l'archer. Et on va mettre quoi d'autre? Ah là, là, c'est chaud là, hein. C'est bon? Ok, nickel. Ce qu'on va faire. Ouais. Bon, vous savez quoi? Je vais me remettre parce que là, je fais n'importe quoi. Ça va être très simple. J'ai envoyé du cochon. Ça. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envoyé ça juste là. Intéressant. Nickel, c'est bon. On tue la sorcière. Hop, on envoie les archers juste là. Nickel ou pas? Allez, nickel. Non, mais là, on se fait plaisir là. Là, on se fait plaisir. On va envoyer ça, vous allez voir. On va envoyer ça juste là. Comme ça. Et normalement, voilà. Nickel. Nickel ou pas? Allez. Bah, nickel. Salut, mon gars. Fou. Oh, à une seconde près, mon gars. À une seconde près. T'aurais mieux fait de défendre. T'aurais eu égalité, mon petit. C'est bon, ça. Bon, bah, super combat. Et puis, bah, allez, bonne chance pour la suite. Donc, du coup, j'aimerais bien avoir de la légendaire. Ça pourrait être pas mal. Donc, 397... J'aurais préféré 400, hein, ça aurait été un peu mieux, ça aurait passé un cap, tu vois, genre 400, tu vois. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc du coup, après, qu'est-ce qu'on a? En espérant qu'on a des légendaires. Oh, en espérant qu'on a des légendaires. Mais bon, c'est tellement rare que... D'ailleurs, j'ai toujours pas eu de coffre super magique, là, je sais pas quoi, les super magiques, là. Les méga super magiques. Bon, 3 gemmes, ça passe. 18 mortiers, j'aurais préféré... des archers, par exemple. J'aurais préféré les archers... des canons, oui, non, mais non. Non, mais c'est pas pour te dire que. Enfin, j'ai dit juste avant que j'étais pas apte à pouvoir jouer avec du canon, mortier, tour de l'enfer, machin. C'est les trucs défensifs, ça, je suis pas apte du tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et bim, tu me donnes ça, justement. Il est con. Il est con. Mais enfin, bon, c'est pas très grave. 6 sorciers. Oh là là. Non, mais ça devient désespérant, ces openings. Non, mais j'aurais préféré un. Un cochon, ça peut être pas mal, non? Et un bébé dragon.
Bon, allez, on va dire que ça passe, parce que je peux le mettre niveau 3. Non, mais on va dire que ça passe parce que je peux le mettre niveau 3. Je sais pas ce que j'utilise, les bébés dragons. C'est vrai que j'ai utilisé un temps. Un temps, j'ai utilisé... Il est serviable, ça va, mais il a pas assez de points de vie. Mais malgré tout, il est quand même plutôt pas mal, parce qu'il coûte pas cher de toute façon. Je vais bosser sur ce. Et puis, bah voilà. Donc, j'ai envie de vous dire à une prochaine vidéo. J'ai envie de vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.